nous nous rendons chez les lobbies, visiter les maisons traditionnelles, couramment appelées sukala. Les sukala se présentent sous forme de forteresses, banco mélangées à de la paille, avec une terrasse en terre soutenue par des piliers de bois à l'intérieur. Les lobbies vivent dans de grandes maisons appelées kior. Ces maisons ressemblent à des fermes fortifiées. Alors, donc, bienvenue dans un sukala lobby. Ce qui est l'habitat traditionnel chez nous. Alors donc nous allons essayer de visiter la maison pour voir le quotidien de l'ethnie lobby. Alors l'habitat lobby est une construction avec de la terre simple mélangée avec un peu de foin. Alors on va faire une première couche. Laisse sécher 2 ou 3 jours. On ajoute une deuxième couche. On laisse sécher 2 ou 3 jours. Et généralement, entre la 5e et 6e couche, on pose le toit. Le toit, c'est de la terre en haut, soutenu par des piliers de bois à l'intérieur qu'on va visiter bientôt. L'habitat a évolué. Il n'est plus rare aujourd'hui de trouver grenier, poulailler ou parc à bœuf à l'extérieur.